je m'appelle Antoine Ozé, je travaille dans les équipes qui traitent la partie risque IT et cybersécurité, donc tous les spécialistes au niveau du groupe sur ces thématiques-là. Et j'en charge particulièrement des équipes qui s'occupent du Security Operations Center. Et en quelques mots, c'est tout ce qui traite, ce qui a trait autour des incidents de sécurité, donc de l'anticipation, de la détection, et également réagir en cas d'attaque. Nos enjeux, c'est quoi aujourd'hui principalement ? C'est de suivre l'évolution des attaques. Globalement, tout va beaucoup plus vite. Ça devient un enjeu et une préoccupation de plus en plus majeure pour la banque. Et on a besoin du coup d'accélérer et de se transformer. On recherche de plus en plus de spécialistes sur les domaines des attaques, des malwares et des attaquants. Donc c'est principalement chez nous les personnes qui interviennent sur les incidents de sécurité et qui ont la capacité de pouvoir en permanence adapter nos systèmes pour pouvoir détecter les nouvelles attaques. Notre transformation passe également par la transformation de nos systèmes, puisque détecter des attaques, ça passe avant tout par l'analyse de nos données sur nos systèmes. Et donc quand on parle de données, c'est à la fois de ce qui concerne nos infrastructures, les serveurs, les firewalls, les IDS, ce genre de choses, mais également les applicatifs, avoir les capacités de détecter aussi des comportements anormaux sur nos systèmes de paiement, sur nos systèmes en ligne vis-à-vis des clients, etc. Pour nous, c'est un fort enjeu de transformation, d'analyser ces grandes quantités de données, puisque là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de serveurs, d'infrastructures et autres. Et du coup, on développe aussi des nouvelles capacités d'analyse sur des technologies telles que Kafka, Elasticsearch, du machine learning, tout ce qui est stream processing sur ce type de technologie.